bien quand Lucie n'est pas là, vous trouvez pas? C'est vrai, on n'est pas vraiment le groupe des Théophiles lorsqu'il manque l'un de nous. J'ai une idée. C'est aujourd'hui qu'elle part chez ses grands-parents. On va faire un bonhomme de neige et écrire Lucie. En faisant du grand signe, peut-être qu'elle nous verra. Moi je pousse, lui il tire. Go! Allez les garçons! Maintenant, quand elle n'est pas là, on est tout triste. Tu te rappelles quand elle était venue? On ne la connaissait pas. On était tous les trois ensemble. On était bien. Mais on a vu qu'elle était toujours toute seule, alors on l'invitait de temps en temps. Dieu aussi, il est loin. Ça me rappelle l'histoire du Sir Emmanuel. Ah oui, tu la connais, Abigail? Non. Venez à la maison. Mes amis m'ont dit que je suis révoltée des sorts, que je ne serais pas entrée dans les religieuses, mais j'ai été chef de gang, moi. Vous avez vu comme elle était proche des gens? Elle était aussi très proche de Dieu. Noël, la naissance de Jésus. Je me demande comment les gens ont fait pour reconnaître que Jésus était le Fils de Dieu. Bah, tu sais, c'est parce que les gens attendaient depuis très très longtemps. Abigail a raison. Dieu a voulu faire alliance avec les hommes depuis très 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 longtemps. Dès l'origine, Dieu veut faire alliance avec les hommes. Abraham croit au Dieu unique et met toute sa confiance en lui. Il a foi en Dieu et part à la recherche du pays que Dieu lui montrera. Il se laisse appeler et guider. Dieu promet à Abraham une descendance nombreuse. Il lui donne un fils, Isaac, qui à son tour engendre un fils, Jacob. Regardez, là c'est Abraham, le premier croyant au Dieu unique. Là, c'est Moïse, c'est la naissance du peuple de Dieu. David, le premier roi d'Israël, et là, tous les prophètes qui ont annoncé la venue du Messie. Là, c'est Jean-Baptiste, le premier prophète qui a annoncé la venue du Messie. Là, Marie, la maman de Jésus. Et là, Joseph, le mari de Marie. Et là, Jésus-Christ, mort et ressuscité sur la croix. Là, c'est les apôtres. Là, c'est saint Paul. Et là, c'est les quatre évangélistes. Regardez, là, c'est sœur Emmanuel. Et regardez, on dirait Lucie. Et si on continue la prise? Tristan, Yann-Henri, Abigail, venez goûter. Après, il y a du chocolat. Thank you.
Voici Marie, fiancée à Joseph. Un jour, un ange est venu près de Marie, une jeune fille qui habitait à Nazareth. L'ange lui dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Ensuite, il lui dit qu'elle va avoir un enfant qu'elle appellera Jésus. Il lui dit aussi que Dieu se fera de lui le roi du peuple d'Israël et qu'il sera roi pour toujours. Marie est très étonnée car elle n'est pas encore mariée, mais l'ange lui dit que l'Esprit Saint viendra sur elle. Marie va chez sa cousine Élisabeth, qui est aussi enceinte. Quand Marie lui dit bonjour, le bébé d'Élisabeth fait un bond de joie dans son ventre. C'est comme cela, Élisabeth reconnaît que Marie a dit oui au projet de Dieu de nous envoyer son fils. Là, Marie va bientôt accoucher, mais l'empereur a fait un recensement. Il fallait aller s'inscrire dans sa ville d'origine. Joseph et Marie doivent partir de Nazareth pour aller à Bethléem, la ville des ancêtres. Arrivés à Bethléem, le bébé arrive. Comme il n'y avait pas de place dans l'auberge, le bébé naît dans une crèche. Là, ce sont les bergers. C'est un ange qui leur a dit qu'un sauveur était arrivé. Alors ils sont tout heureux et chantent « Gloire à Dieu » et paix aux hommes car Dieu les aime. Et ils vont voir Jésus dans la crèche. Là, c'est les trois rois mages. Ils ont vu une étoile s'élever dans le ciel, ils l'ont suivi et l'étoile s'est arrêtée pile au-dessus où Jésus est né. Tout heureux, ils l'ont offert de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Mais le roi de Jérusalem, Hérode, a appris la naissance de Jésus, dont on dit qu'il est roi d'Israël. Il est tellement jaloux qu'il fait mettre à mort tous les bébés garçons. Alors Marie, Joseph et le bébé vont se réfugier en Égypte jusqu'à la mort du roi Hérode. Moi, quand je suis allée à la messe de Noël avec mes grands-parents, il y avait une très belle crèche. Et vous, comment cela s'est passé? Moi, je suis allée à la messe de Noël à minuit. Il y avait une très belle crèche. Je me sentais tout émue que Dieu soit venu jusqu'à nous. Et si on montait à la chapelle Sainte-Marguerite, il y a aussi une très belle crèche. C'est une bonne idée, ça. Hé, les enfants, ne vous perdez pas en chemin. Ne t'inquiète pas, on a pris la carte. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Ça veut dire que
qui aiment Dieu simplement. Dieu, je serais aussi content que tu sois sur la terre que j'ai vu le dernier iPhone. Regardez, il les embrassait et les bénissait. Le prêtre a fait pareil qu'au baptême de ma cousine. Tu as tout à fait raison, Lucie. N'aie pas peur. Tu ne peux pas me voir, mais tu peux m'entendre dans cette chapelle. Et il y a un lien, tu as raison, entre ce qu'a fait Jésus, qui bénissait les enfants, et puis ce que fait l'Église aujourd'hui, quand elle fait un baptême, par exemple. Je vais te raconter l'histoire des sacrements. En fait, le vrai sacrement, c'est Jésus. Jésus, quand on le rencontre, eh bien, ça nous permet de connaître qui est Dieu, de vivre en communion avec lui, parce qu'on vit de sa parole, et qu'on devient nous-mêmes Jésus. Jésus, c'est le vrai sacrement. Et quand il est parti à l'ascension, eh bien, il n'est plus resté que l'Église qui soit visible, la communauté des chrétiens. Et l'Église, après, elle continue l'œuvre de Jésus à travers tout ce qu'elle fait, les sept sacrements que vous connaissez. À chaque fois, on pourrait dire, c'est un geste de Jésus qui est fait grâce au geste de l'Église. C'est toujours le Père Guillaume qui vous parle. Vous m'entendez, les enfants ? Alors, je suis sûr que vous les connaissez, les sept sacrements de l'Église. Le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, le mariage et l'ordre, le pardon et celui pour les malades. Eh bien, il y a sept sacrements. On pourrait dire que les trois premiers, le baptême, l'Eucharistie, la première communion, la communion et la confirmation, ce sont les trois sacrements par lesquels on devient chrétien. Et puis, il y a deux sacrements qui nous sont donnés, le mariage et le sacrement de l'ordre. Le sacrement de l'ordre, c'est quand on ordonne un prêtre, un diacre ou un évêque. Ce sont deux sacrements de la fécondité, c'est-à-dire que notre vie, elle n'est pas faite pour être gardée pour nous, elle est faite pour être donnée, tournée vers les autres. Et puis, il y a deux sacrements qui sont vraiment précieux. Eh bien, c'est deux sacrements qui sont faits pour les épreuves. Parce qu'il y a l'épreuve du péché, quand on n'arrive pas bien à suivre Jésus, quand on est en contradiction avec la parole de Dieu, avec l'Évangile. Le Seigneur vient toujours nous relever, nous chercher au-delà de notre péché. Et c'est ça le sacrement de la confession, de la réconciliation. C'est vraiment la miséricorde. Et puis, le sacrement des malades, parce qu'à toute âge de notre vie, on peut traverser des épreuves liées à notre corps. Et c'est très important que l'Église entoure les malades et manifeste la tendresse du Seigneur, sa proximité dans l'épreuve. Voilà, alors c'est des sacrements qui sont faits pour notre pèlerinage sur terre. On devient chrétien, on donne sa vie, et il arrive quelquefois que sur la route on tombe, mais le Seigneur nous appelle toujours à nous relever, il nous aide. C'est les sept sacrements de la vie chrétienne.